Intérim à la tête d'une forte délégation est arrivé hier pour prendre part aux festivités de commémoration du 64e anniversaire de la République de Guinée. Le colonel Abdoulaye Maïga est l'envoyé du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour témoigner toute la solidarité du peuple malien à la République sœur de Guinée. Le premier ministre est accompagné du président du CNT et de 5 membres du gouvernement. À son arrivée, la délégation a été accueilli par le premier ministre guinéen et le président du CNT de Guinée. Le colonel Abdoulaye Maïga au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili, Aruna Diarra. La République sœur de Guinée célèbre très bientôt les 64 ans de son accession à l'indépendance. Et dans ce cadre, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a bien voulu participer pour faire honneur à son frère, son excellence, le colonel Mamadi Doumbia, pour donner toute la valeur et toute l'importance à cette célébration. Je voudrais ici saisir l'occasion pour rappeler les liens historiques très forts qui existent entre nos deux républiques, la République du Mali et la République de Guinée. Et c'est la raison pour laquelle son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a estimé que pour magnifier cette importante relation entre nos deux pays, il était important que le Mali participe. J'ai l'honneur d'être à la tête de cette délégation composée de membres du gouvernement, il y a des ministres, mais également, il faudrait le souligner, le président du Conseil national de transition, qui est l'organe législatif au Mali. Voilà un peu l'importance de, en tout cas, toute la raison principale de notre présence ici. Je voudrais, au nom de nos plus hautes autorités du Mali, remercier les autorités guinéennes pour cet accueil très chaleureux. Encore une fois, je le réitère, c'est vraiment un grand honneur. Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui à côté de nos frères et de nos sœurs de la République de Guinée.